Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous n'avez pas eu trop chaud, parce qu'ici on crève, hein, en 38 après-midi, donc waouh. Donc on continue le tuto du petit aveu 23, nous irons au bois. Donc j'ai fait la couverture. Donc j'ai pris deux cartons. C'est toujours les cardstock qui sont derrière les blocs de chez Action. Hein. Les blocs de papier déco. Donc 13,5 sur 22 x 2 pour la tranche, 5 cm sur 22. Donc à l'intérieur, on va y coller directement le papier déco. Donc je prends un petit bout de papier couleur crème. Comme ceci. Hop, de toute façon, on ne le verra pratiquement pas. Donc, il mesure 13,5 sur 22. Ça, ce sont les papiers qui font partie des gros blocs. Vous savez, ces gros blocs de papier de toutes les couleurs chez Action. Voilà, donc je ne mets pas de papier blanc. C'est pas la peine. Je fais attention à ma tranche. Voilà, et là-dessus, il fait une pochette. Donc, j'ai pris une feuille de papier à 4. Donc, toujours pareil, on coupe rien. On plie à 11. Donc, on va plier à 11 cm. Donc, sur les 21, vous touchez à rien, on le laisse entier. Donc, 11. Hop. Puis 12. Donc, ça fait 23. Donc, 11. 23. Et on garde ce qui reste. Donc 11, 12 et on garde. Et on plie. Comme ceci. Donc, et hop, tout de suite, vous avez une petite pochette. Toute simple. Ici, on va arrondir les petits angles. La perforatrice, les angles, là-bas. Donc, je vais coller cette partie ici, donc de 11 cm. Je mets un petit peu de colle sur les côtés. Comme pour une petite pochette. Un petit peu ici. En bas, c'est pas nécessaire. Je colle. Comme ça. Hop, c'est tout. Voilà, et après vous collez. Alors, soit vous collez entièrement, ou si vous voulez glisser encore quelque chose dessous. Moi, je vais la coller complètement. Je pense qu'il y a assez de petites pochettes et d'interactions dans l'album. Hop, et je la colle sur ma couverture directement à gauche. On vous met à peu près au milieu, hein. C'est plus joli. Voilà, c'est tout, ça fait une petite pochette. C'est tout. Pour ce côté, j'ai mis un simple morceau de papier déco. Je recoupe un petit bout avec vous. Parce que j'ai des chutes quelque part. Je vérifie un petit peu dans les chutes. Ça, c'est trop petit. Là, un petit bout. Donc 13,5, 13,5, et demi, pardon. Sur 22. Là, pas tout à fait, je coupe un millimètre ou deux un petit peu avant. Voilà, c'est tout. Et je colle.
couche à l'envers. Voilà, c'est tout. Vous voyez, rien de compliqué. Je vais coller petit album au milieu. Donc pareil, je vais coller ma tranche. Alors, une petite chute hop ici. Et je le mets hop au milieu, donc au milieu, en haut, en bas et sur les côtés. Vérifiez à peu près que vous avez la même distance de chaque côté. Oui, c'est pas le même papier, je sais pas pourquoi. Celui-là est beige, celui-là est blanc. C'est bizarre. Voilà, donc la couverture est faite, le petit album est collé, la petite pochette pareil, donc pour la pochette on verra pour la déco. Donc je récapitule ici, on avait fait un accordéon avec une petite pochette ici. Hop, j'ai préparé mes petits papiers. Pareil, un accordéon avec une pochette comme ceci. Ici on avait Rémi, ici on avait mis donc une pochette comme ça, un petit rabat qui font une petite pochette sur l'arrière, ici une mini pochette, ici rien, ici on avait fait un petit accordéon dans ce sens ou plié à l'intérieur. On peut aussi le mettre comme ça. Voilà, c'est pareil. Faut corriger un petit peu le pli peut-être. Voilà, ça peut changer. Donc c'est tout. Sur sa dernière page, je n'ai rien mis. Oui, ça fait un joli petit album. Très simple, très facile. Je vous remercie beaucoup pour vos commentaires. Je vais passer à la déco. Où je fais la même chose que l'autre album, je ne sais pas du tout. À moins que je change complètement de papier, mais comme j'ai déjà commencé, petit déco intérieur. Donc ce sera à peu près le même que l'autre. Le petit album est au prix de vente de 10 euros. Voilà, si ça vous intéresse. Donc le premier, j'avais fait comme ça. Voilà, mesdames, messieurs, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée. Au frais. Ça canarde, hein, comme on dit ici. Ça cogne dur. En espérant que ce tuto aura été facile et accessible pour toutes, les débutantes et autres hein, d'ailleurs. Et puis je vous retrouve pour faire autre chose. On va faire un album, quelque chose de très différent, un peu plus compliqué peut-être. Hein, mais j'essaye toujours que ce soit accessible à tout le monde. Voilà, donc je range ça de côté en attendant. Et je vous embrasse bien fort et surtout, je vous remercie pour super messages. Et bienvenue aux nouvelles abonnées. Allez, bonne soirée, à plus tard. Merci, au revoir.